1936. Des millions d'hommes et de femmes, durement atteints par la misère et la crise. Les patrons sont très étonnés de ce qui leur arrive. Ils contemplent leurs ouvriers avec surprise. Ceux-ci écoutent leurs délégués syndicaux. Être chez soi, on baptise les nouveaux lieux d'habitation avec des noms familiers. Place Jean Jaurès. Avenue Léon Blum. Square Marcel Cachin. Quant à ceux qui ont refusé leur solidarité à leurs camarades, leur attitude est stigmatisée en termes parfois très vifs. Les problèmes... Et la propreté. Et dans les ateliers transformés en réfectoires, des banquets de centaines de couverts s'organisent. Les individualistes mangent en famille sous leur tente, poétiquement plantés dans une cour d'usine. Banquet au studio éclair. Banquet chez Renault. Les enfants qu'on a amenés voir le père en profitent. Et la mascotte de l'usine n'est pas oubliée. Un estomac rempli et une conscience satisfaite incitent au sommeil réparateur. Le problème du couchage est rapidement résolu par les hommes qui, seuls, occuperont les usines pendant la nuit. Certains se sont confectionnés des hamacs avec des couvertures. Et le réveil se fait sous le signe de la bonne humeur. Les distractions et les jeux alternent avec les différents travaux d'entretien, de cuisine et de nettoyage que se sont distribués par roulement les gréviers. Ronde, saut à la corde, basketball. Sport nouveau pour ces corps que le travail courbe et empêche trop souvent de jouir du soleil ou de l'air libre. Course cycliste aux usines Renault. Un match de marche très disputé. Ailleurs, la Java, au son de l'accordéon, entraîne les couples grévistes. Au cinéma tirage Maurice. Chez Renault. Au studio de Joinville, on danse. Regardez ce brave comptable qui s'en donne à cœur joie. La danse du ballet. Et pour finir, la farandole. Billard, fléchettes, programmes artistiques complets. Plus de 1000 artistes professionnels sont venus apporter aux grévistes de la région parisienne par l'intermédiaire de la Maison de la Culture leur solidarité et leur talent. Les amateurs se risquent aussi sans crainte du crochet. De la Rosière de Nanterre visite les entreprises en grève.
Ailleurs, nous avons la bonne fortune de filmer le mariage de deux jeunes grévistes à qui toute l'usine a réservé une fête magnifique. Ailleurs, on livre aux flammes un mannequin qui figure les 48 heures. Et on prend, après jugement, quelques effigies de ceux qui brûlent pour de vrai les autobus. Le couteau de cuisine qui brille entre leurs dents ne laisse aucun doute sur la férocité des bourreaux. Et la guillotine s'exerce sur des effigies des descendants des émigrés de Covent. Les funérailles imposantes du capital se déroulent en grande pompe. Et les corps sont précipités du haut du pont des usines Renault dans le fleuve jusqu'à la mer pour y retrouver ses requins. Victoire. 8 millions de salariés obtiennent satisfaction. La Confédération Générale du Travail, ses unions régionales et départementales ont dirigé le mouvement, conduit les grèves, orienté les revendications jusqu'à la victoire définitive, concrétisée dans les accords Matignon. La Confédération Générale du Travail est passée en 3 mois d'un million d'adhérents à plus de 5 millions de syndiqués. Dans l'ordre, la paix, la discipline, avec l'aide du gouvernement du Front Populaire, elle a apporté à la classe ouvrière de notre pays des avantages considérables. Semaine de 40 heures, congés payés, réajustement des salaires, délégués syndicaux, conventions collectives. C'est la victoire du travail organisé contre l'anarchie et la misère, la possibilité pour des millions de travailleurs de vivre mieux, de se développer et de s'instruire dans une France unie et libre. Victoire. Voici Cotte, député de Villancourt, aux usines Renault et à la sortie des usines en tête des grévistes. À l'usine du cinématirage Maurice de Gennevilliers, un joyeux cortège conduit la sortie des grévistes. Autre cortège aux studios éclairs des Finets, où l'on acclame les délégués syndicaux de l'entreprise. Et d'autres cortèges encore. Encore un capital bien malade qu'on porte sur une civière. Et des fleurs. Et d'autres sorties encore. Et des défilés spontanés qui se forment à travers les rues au son des fanfares. Pancartes, bannières, drapeaux et poings tendus. Par usine, par atelier, par spécialité, ils marchent avec la victoire dans leur cœur. Tous unis, dit la pancarte, et tous unis, ils sont et resteront. Portrait de Pierre Cotte, Maurice Thorez, Henri Darbus, Léon Bleu. Tous unis, ils défilent avec les pancartes de la victoire. Ils se forment en cortège immense qu'acclame la foule. Tous unis, ils tiendront les promesses qu'ils ont faites. À chacun de tenir la sienne.